Dave Star Dibalar. Yes sir, salut tout le monde, Dave le déballeur. Et aujourd'hui, j'ai en possession une deuxième boîte de Clear Cut 2019-2020. Celle-ci, je l'ai achetée chez Maple Leaf Sports Cards, qui sont situés à Calgary, en Alberta. Après l'ouverture de la première boîte, là, où j'ai eu Ville Hainola, vous irez voir mon vidéo précédent. Je tente ma chance une deuxième fois. J'espère sortir quelque chose d'encore plus gros. Puis, je me suis gardé une porte de sortie. Dans le fond, à la même place, j'ai acheté un hot pack qui appelle... un paquet surprise finalement avec une carte dans un one touch, que ça peut être une carte d'un joueur recru, ça peut être une carte memorabilia ou un joueur légende qui disent. Donc on va l'essayer après, à la fin du vidéo, après la clear cut. Puis en plus, le gars il m'a mis un beau petit crayon, c'est écrit thank you. En fait, c'est une boîte qui est écrit thank you, ça veut dire merci en français. Puis un crayon à l'intérieur. Prendre des notes. Maple Leaf Sports Cards. Hey, quelle chance. Il marche-tu? Ah, si, il marche. Yes, sir, on est en business. Partir d'une compagnie avec ça, let's go. Fait que, c'est ça, sans plus attendre, je ne ferai pas la description de la boîte, en fait, vous irez voir mon premier vidéo. Donc, sans plus attendre, on procède à l'ouverture de cette boîte. Let's go. Ok, donc on va procéder de la même façon que la dernière fois. Je vais tourner la boîte de cette façon. Je vais mettre un decoy pour le cacher. Pour le cacher la carte. C'est de la cacher le mieux possible. On retourne ça. Puis on y va. Ah ouais, donc, sors-moi quelque chose de gros. On va la sortir comme ça. Ok, là, cette fois-ci, j'ai absolument rien vu. Ok, on va dévoiler ça. Let's go. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Black Diamond. Qui lui? Mark Scheifele? Encore pour les Jets, donc une boîte des Jets. Mark Scheifele, Rookie Gems, de Black Diamond. Ça, c'est 4 quad diamonds, 4 diamants. Rookie Gems. Nice. OK. Quand même, une carte recrue de Mark Scheifele, pardon. C'est quand même pas si pire. Vous verrez ce que vous en pensez. Une autre carte des Jets. Donc, les Jets me suivent. Quand même satisfait, là. Très satisfait pour cette carte. Mark Scheifele recrue. Très cool. Donc, je vais mettre ça en arrière. On va continuer avec notre hot pack. Ici. Donc, si je regarde là, le côté, là, il est quand même assez épais, le One Touch, puis la carte, le One Touch, la carte qui bouge, on l'entend. D'après moi, c'est un Jersey Card, mais je veux pas, mais... Oh, ça s'ouvre comme un... C'est juste un Ziploc. Fait qu'on sort ça. Yes, sir! Une Letterman de Eric Dazé pour Chicago. Autographié. Sur 20, numéroté sur 20, 3 sur 20. Donc, nice. Je vais pouvoir l'ajouter à ma petite collection de Letterman. Celle-ci, c'est la même chose. C'est l'année 2018-2019. Nice. Fait que j'ai quand même été chanceux aujourd'hui. Deux cartes autographiées. Donc, voilà. C'est ce qui conclut mon vidéo de l'ouverture de cette deuxième boîte de Clear Cut 2019-2020. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai quand même été satisfait de cette carte de Mark Scheifele recrue. Deuxième carte pour les Jets dans le produit Clear Cut. Donc, je vais les prendre. Écrivez-moi un petit commentaire. Lâchez-moi un commentaire. Toujours le fun de vous répondre puis de vous lire. Dites-moi comment vous avez trouvé mes cartes. Puis, faites un petit thumbs up aussi si vous avez aimé la vidéo. Et on se reparle au prochain vidéo. Ciao!